qui n'a rien avec le film. On en est où de ce projet Albator en live? Albator, en fait, on a commencé à l'écrire avec Luc Brunswick, qui est un scénariste de BD, l'esprit de Warren, Le pouvoir des innocents. Les 20 premières minutes sont, enfin, c'est digne de l'Empire contre-attaque, à part que le producteur, en fait, a absolument pas les épaules pour faire ce film. Donc j'ai dit à Luc, tant que le mec te paye pas comme à Hollywood, arrête, parce que ça sert à rien. Et donc voilà. Et le producteur, j'étais à Budapest en train de faire une pub et a lancé un crowdfunding pour payer Luc. Et là j'ai dit à Luc, voilà, on va arrêter là, c'est un con, passons à autre chose, mais garde bien ton scénario. C'est, voilà. Et c'était extraordinaire, Luc est très doué. Parce qu'après tu peux le redonner à un autre producteur. Ah bah oui, puisqu'il a rien payé, il n'y a pas, enfin bref, oui. Mais du coup, c'est le projet court encore ou il est mort? Mais non, parce qu'en fait, la personne a les droits de l'Albator. Ouais. Et n'a pas un bal pour se gratter le cul, donc, ni pour payer un scénariste de génie comme Brunswick. Et donc c'est bien dommage. Mais avec Luc, j'ai vraiment envie de travailler, hein, parce qu'il est, voilà, il a un talent de scénariste incroyable.